Bonjour à tous. Aujourd'hui, on en profite après 3 jours d'absence de faire quelques récoltes. Et donc, je voulais vous faire partager la récolte que je vais faire ce soir. Donc aussi, je voulais vous dire en premier hein, que demain, je reçois un ami jardinier, hein, Vincent Beard, cultivateur passionné. Et donc, il fera un direct ici chez moi sur sa chaîne YouTube à 11h. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube Vincent Beard, cultivateur passionné, et à vous abonner. Donc, on va commencer, nous, la récolte d'aujourd'hui. Alors, déjà, on va récolter 2 aubergines. J'ai vu que faire de la ratatouille, peut-être. On va voir ça. Voilà. 2 aubergines, ça nous suffit pour ce soir. On va prendre quelques tomates. Quelques tomates qui sont. Elles sont belles, hein, les cœurs de bœuf. Chercher d'autres par là, un poivron peut-être. Donc on va prendre 2 poivrons qui sont pas trop mauvais. On va prendre ceux-là. Donc on va prendre quelques oignons rouges, hein, déjà pour manger avec les tomates en salade et aussi pour mettre dans la ratatouille. Il y a un bel oignon déjà. Donc on va prendre ça, qu'on va mettre dans la caisse. Donc du beau basilic hein, qu'on rajoute avec. Basilic citron. Donc là aussi on va récolter une belle cœur de bœuf. Hein. Extra. Elle est belle. Donc on va en récolter d'autres aussi. Là, une très belle cœur de bœuf aussi là qui est bien mûre. Très belle. Donc on va en prendre une là dans le chapelet aussi là. Tout est mûr. Hein. On va en prendre une là. En faisant attention pour l'accueillir. Voilà. Allez, on va accueillir aussi les courgettes vertes là. Voilà. Une là, j'en ai vu une autre là-bas aussi, une belle. Voilà, bon, il y en a assez pour ce soir. On va recueillir une autre hein, parce qu'elle est belle. Voilà. Donc là on voit des tomates hein, qui sont bien bien mûres. Hein. Je vais en profiter pour les cueillir, pour manger en salade. Alors, là, il faut vraiment les récolter cette année dès que les tomates sont mûres. Hein, parce que là, le fait de la canicule ce week-end, elles ont eu un coup de chaud et. Donc là, elles sont plus que bien mûres maintenant. Si c'est pareil. La chaleur, ça les a brûlées les tomates. Ça les brûle si on les cueille pas. Donc on va en profiter pour récolter aussi des tomates cerises hein, qui sont extra en apéritif. Elles sont bien mûres. Hein. Il y a des tomates poires rouges aussi, il y a des tomates poires jaunes. Donc je récolte ça et puis je vous reprends après. Quelques tomates poires rouges à récolter. Voilà, comme celle-ci.
à 3 là. Hop. 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 Quelques tomates poires jaunes aussi qui sont jolies. Comme ça. Donc voilà, je finis ma récolte et je vous reprends après. Donc voilà le résultat de la petite récolte aujourd'hui, hein. Donc les tomates, hein, multivariété, des petites aubergines, hein, de poivrons doux chocolat, hein. On voit bien la couleur chocolat qui apparaît. Trois petits oignons rouges, manger avec les tomates, du basilic, hein, des petites tomates cerises pour l'apéro et des courgettes vertes encore. Hein. Donc bien sûr, je regrette pas d'avoir récolté pas mal de légumes la semaine dernière, hein, environ 25 kg de tomates, 15 kg de courgettes, des poivrons, des aubergines. Donc en fait, voilà, je m'aperçois que vraiment la canicule, là, ça brûle les légumes. Ça brûle les aubergines, je me suis remarqué. Ça brûle les tomates. La preuve est là. Le fait des fortes chaleurs, là, ça brûle toutes les fleurs et ça déshydrate toutes les plantes, quoi. Même les tomates, tout ça, quoi. C'est impressionnant, quoi. Du moins qu'on retrouve des températures à la normale, quoi. Avec un peu de pluie que l'on espère. Donc c'est sur ces images, hein, que je vais vous laisser. Donc je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.